fait un très bon match à faire. C'est un très bon match parce que le premier résultat n'a pas été positif et du coup là, il va falloir aller chercher autre chose. Mettre encore plus d'intensité, mettre plus de maîtrise. C'est un match de haut niveau. Mettez les ingrédients nécessaires pour ce match au niveau. On va au combat quand il faut aller au combat et quand on a le ballon, on fait ce qu'il faut pour jouer à deux, jouer à trois, percuter, jouer ensemble, tout simplement. Les conditions sont optimum. Ok ? Bon match les gars, faites-vous plaisir. Bon match. Allez. Et on fait des fautes dans des endroits où ils peuvent mettre des bons ballons. La preuve, un tir, un but, ça y est, déjà. On a des joueurs qui ont bien commencé, qui ont commencé à jouer ensemble, à se regarder. C'était intéressant, à trouver les intervalles de passe. Très intéressant, top. Puis d'un coup, plus rien. Ça y est, on se parle plus, on joue plus, on met pas d'intensité, on met plus d'angle. Il y a un certain nombre de réactions, on marque un but, tant mieux. Un peu chanceux, mais tant mieux. Et les gars, mais oh. Soit on décide d'être plus bas et on les attend et on grimpe au fur et à mesure, comme vous avez très bien fait. Soit on est très haut, mais si on est haut, tout le monde va fermer, tout le monde s'occupe d'un joueur. Parce que dès qu'il va manquer un joueur, on va se prendre un décalage. Et là, c'est foutu. Allez, reprenez le jeu. On est 1-1 à la mi-temps. Vous avez su vous remobiliser pour le score. C'est très bien. Maintenant, on reprend le jeu et on leur montre qu'on est à domicile et que c'est vous qui êtes les meilleurs. Ok ? Allez, c'est parti. Allez. Yeah.
Félicitations pour cette victoire que vous êtes allé chercher. Ça, c'est clair. En seconde période, vous êtes revenu à de meilleures intentions. C'était nettement mieux sur la qualité technique, sur le lien entre vous, sur le jeu dans les intervalles, sur les côtés. C'était nettement mieux. Donc en U17, il va falloir gagner en constance. On ne peut pas avoir des trous d'air comme ça tout le long. Je ne vais pas vous reprocher vos erreurs. Je ne vous reproche jamais vos erreurs. Ce que je peux vous reprocher, c'est quoi? C'est quand vous n'avez pas d'intention. Quand vous recevez le ballon, que vous ne savez pas ce que vous allez en faire, là, ouais, là, je peux vous dire, hé, hey, bonhomme, il faut que tu réfléchisses. Par contre, quand vous avez décidé de faire quelque chose, comme là, vous êtes engagé, déterminé, et que vous jouez, s'il y a une erreur, il n'y a pas de problème. Vous êtes des jeunes joueurs, des très bons joueurs, mais des jeunes joueurs, c'est normal de faire des erreurs. D'accord? Par contre, quand vous mettez du cœur, quand vous avez fait de la qualité technique, quand vous radez un petit peu plus, c'est super. Vous avez su renverser le cours de ce match. Bravo. Bravo. Vous avez mérité, je pense, cette victoire. Et je pense aussi, avec le staff, vous félicite. Vous félicite parce que c'est pas si facile que ça. Les conditions de jeu n'étaient pas évidentes. D'accord? Bravo à vous. Bravo. Là, on se dépêche. Douche. Rangez vos chambres. Les bagages. On mange. Et puis, on se dit au revoir. Eh ouais, c'est déjà fini. Ok, allez, c'est parti. Allez, les gars.